Et on termine l'année avec ce que plusieurs qualifient de récession, mais récession avec un petit R. Nous en discutons avec Simon Brière, stratège de marché. Merci, Simon, d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Faites-vous partie de l'équipe de « oui, on est en récession », « non », comme le soutient le ministre de l'Économie, Éric Girard, ou encore « oui, récession, mais avec le petit R ». Bon, il y a plusieurs nuances à faire au niveau de la récession. Disons que j'utilise la technique très classique, c'est-à-dire deux trimestres de suite consécutifs avec un repli de la croissance, c'est une récession. Maintenant, on pourrait essayer d'aller gratter un peu plus pour aller voir est-ce qu'il y a certains signes qui sont un petit peu plus encourageants. C'est vrai, il y en a. Et je pense que c'est là-dessus que le ministre Girard veut se rattacher pour se montrer peut-être un peu rassurant par rapport à l'économie. Mais quand même, non, je suis de l'avis qu'il y a une récession et je vais avoir beaucoup de difficultés pour certains ménages en 2024. Ouais, on en a parlé grandement. Maintenant, pour le volet des crypto-monnaies, des monnaies numériques, ça a été quand même une bonne année finalement pour le Bitcoin. Ça a été d'une manière assez étrange parce qu'une crypto-monnaie, on est difficilement capable de savoir c'est quoi. Est-ce que c'est plus une devise? Est-ce que c'est une commodité, une matière première? Et on va la miner, il y a une offre, une demande. Donc, c'est quand même assez dur à définir. Et tout cet élément-là qui est un peu plus relié à la criminalité ou un peu au blanchiment d'argent, une mauvaise presse, je vous dirais, au niveau des crypto-monnaies. Mais on se rend compte en 2023 et 2024 que ça pourrait être utilisé comme un actif pour contrer l'inflation, pour un peu contrer le fait que les banques centrales ont été très... très généreuse avec la machine à imprimer, je vais le dire de cette manière-là. Donc oui, c'était une très bonne année pour les crypto-monnaies comme le Bitcoin, sans faire mention de tous les autres, parce que je pense qu'il y en a des centaines et des centaines. Mais non, ça a été une bonne année pour le Bitcoin, c'est vrai. On parlait il y a quelques instants de récession, d'incertitude économique, et souvent dans des contextes comme ça, on se réfugie vers d'autres valeurs, notamment l'or. Costco s'est mis à vendre des lingots d'or au Canada et aux États-Unis. On voit le prix, là, 2679,99 $ pour le lingot qui apparaît. Ça, c'est étonnant. C'est vraiment en lien avec l'inflation. Hein. En fait, l'or est souvent utilisé comme valeur refuge, soit en temps d'inflation incontrôlée ou soit en temps d'incertitude économique ou géopolitique. Donc, on voit que avec la convergence, les différentes guerres qu'il y a dans le monde, l'inflation, l'or est devenu un outil là, qui est prisé par les investisseurs pour se réfugier justement là, de la volatilité, de l'incertitude qu'il pourrait y avoir sur les marchés. Et je pense que Costco en bénéficie financièrement très bien. Le 2600, ça serait peut-être une référence en dollars canadiens, en dollars américains, là, comme la plupart des matières premières sont libellées. On est à 2000-2100, mais qui est quand même un prix record. Jamais dans l'histoire, on a eu un prix de l'or aussi élevé. Oui, c'est important. Il y a aussi un incontournable cette année. On ne peut pas en faire fi, les fameux taux d'intérêt. Qu'est-ce qui nous attend pour 2024? Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt sont appelés à baisser. On ne va pas s'attendre exactement sur combien de coupes, combien de baisses qu'il va y avoir au niveau de la Banque centrale, c'est la Banque du Canada. Et c'est la même chose pour les États-Unis. Pour le moment, on s'attend que les taux d'intérêt vont commencer à diminuer à quelque part vers le printemps et se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Donc, on est dans une fourchette. Est-ce qu'il va y avoir une baisse de 50 points de base? C'est-à-dire qu'on passerait de 5 % à 4,5 %. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus agressifs sur les coupes de taux d'intérêt, peut-être 4, peut-être même 3,5. Mais généralement, le consensus et que les taux d'intérêt vont baisser. Ça devrait redonner un peu d'oxygène à certains ménages qui vont en avoir besoin. Parce que même si on pense que la récession, qu'elle a un petit R, un grand R, il faut faire attention, on ne s'attend pas non plus à un effondrement des marchés financiers, un effondrement de l'économie. Ceci étant dit, les ingrédients sont quand même réunis pour que ces situations-là puissent se produire. Donc, même si un pourcentage relativement faible que tout s'effondre, les ingrédients sont quand même là. La hausse des taux, les guerres, les chaînes d'approvisionnement, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont là, mais on va avoir quand même une récession, si j'utilise le terme. Là, on dirait que
faut pas le dire. Oui, mais récession-là, avec un petit R, c'est ce qu'on en retient. Oui. Simon Brière, stratège de marché, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Pareillement.